L'hypertension artérielle est une maladie dangereuse qui survient lorsque la pression sanguine devient élevée au niveau de la paroi des artères, même au repos ou en l'absence d'un état de stress. Selon les statistiques, la maladie touche environ 1,1 milliard de personnes dans le monde, avec en moyenne près 59,3 millions de nouveaux cas d'hypertension recensés chaque année, soit pas loin de 2 par seconde. Si l'hypertension n'est pas traitée à temps, elle augmente le risque des maladies cardiovasculaires mortelles. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne présentent souvent aucun symptôme, ce qui explique pourquoi la majorité des personnes atteintes ne sont pas conscientes de la maladie. Il existe de nombreux médicaments qui peuvent aider à traiter l'hypertension, mais ils constituent une solution temporaire qui ne traite pas la cause sous-jacente. De nombreux experts affirment que la meilleure façon de résoudre le problème est de mener un rythme de vie sain. Quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle ? Dans la plupart des cas, l'hypertension n'entraîne aucun symptôme, mais de nombreuses personnes signalent des maux de tête au réveil, des douleurs thoraciques, une fréquence cardiaque élevée, des troubles de la vision, des saignements du nez. N'hésitez pas à consulter votre médecin dès que votre corps laisse apparaître l'un des symptômes. En cas d'hypertension, il est également important d'adopter une alimentation saine. Quels sont donc les aliments à éviter ? 1. Le sucre. Selon une étude publiée dans la revue médicale British Medical Journal, consommer fréquemment du sucre est souvent encore plus dangereux pour la santé que de consommer du sel. Les chercheurs pointent particulièrement le sucre utilisé dans les préparations industrielles, par contre le sucre contenu dans les fruits ne serait pas en cause. 2. La graisse trans. Ce type de graisse peut être trouvé dans les biscuits et les pâtisseries. Selon une étude américaine menée auprès de plus de 28 000 femmes, la majorité des gras augmentent le risque d'hypertension. 3. L'alcool. Même en petite quantité, les boissons alcoolisées sont très caloriques. Elles sont donc susceptibles de vous faire grossir, tout en sachant que le surpoids est un facteur favorisant l'hypertension. Il est important de noter que le risque de développer une hypertension artérielle débute à partir de 1,5 boisson alcoolisée par jour. 4. Les aliments riches en sodium. Les besoins en sel sont d'environ 1 à 2 grammes par jour, tandis qu'une étude française a révélé qu'en moyenne les Français en consomment 8 à 10 grammes. Ce qui augmente largement le risque d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que 80% du sel consommé est caché dans le pain, charcuterie, soupe, potage, fromage, plats et gâteaux préparés. 5. La caféine. La caféine est présente dans le café, les boissons énergisantes et les canettes de soda, elle devient très dangereuse lorsqu'elle est consommée en grande quantité. La caféine peut augmenter votre tension artérielle de manière significative, alors assurez-vous d'en consommer avec modération. Voici quelques habitudes quotidiennes pour réduire votre tension artérielle. 1. Un régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est riche en acides gras oméga-3 qui sont excellents pour la santé cardiovasculaire. Il comprend de l'huile d'olive, des fruits et légumes frais, du poisson ainsi que des olives. 2. Les aliments riches en fibres. Les légumes frais, les haricots et les graines contiennent beaucoup de fibres qui garderont vos vaisseaux sanguins propres et régulerons votre tension artérielle. 3. Aliments riches en potassium. L'American Heart Association suggère qu'une alimentation riche en potassium peut contrôler la tension artérielle et annuler les effets du sodium sur vos vaisseaux sanguins. 4. Le thé blanc. Le thé blanc, c'est le thé qui connaît la transformation la plus faible par rapport à la feuille fraîche du théier. Il permet d'améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Cela entraînera une diminution de la pression artérielle, c'est pourquoi il est recommandé de boire en moyenne 3 tasses de thé blanc par jour. 5. Une activité physique régulière. L'exercice physique peut vous aider à réduire votre tension artérielle et brûler également beaucoup de graisse, ce qui réduit efficacement le risque de nombreux problèmes cardiovasculaires. 6. La relaxation. Pour les patients hypertendus, il est important d'apprendre à gérer le stress, différentes mesures peuvent être adoptées au quotidien pour le réduire. La méditation, le yoga ou d'autres techniques vous permettront de vous détendre et de chasser les idées négatives qui peuvent nuire à votre esprit et par conséquent augmenter la tension artérielle. L'hypertension artérielle affecte principalement les adultes, mais elle peut également affecter les enfants. Les enfants souffrent d'hypertension en raison de problèmes rénaux ou cardiaques, d'un mode de vie malsain et d'une inactivité physique.
C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.